Dans cette vidéo, je te montre comment réussir l'épanure de tes croustillants de poulet fermier des Landes IGP Label Rouge. Alors d'abord, tu vas choisir un joli filet de poulet que tu vas venir tailler en morceaux assez fins de manière à bien réaliser la cuisson. Ensuite, tu vas préparer tes éléments pour la panure, donc de la farine évidemment, un œuf bien battu et ensuite tu prépares tes panures. Donc moi, j'ai choisi d'en faire deux, une avec de la chapelure et du paprika et l'autre avec du basilic et du parmesan. Tu vas venir tremper chaque morceau dans la farine. Il faut bien que le morceau soit imbibé pour enlever l'excédent d'eau. Tu vas venir ensuite le tremper dans ton œuf battu. Là, de la même manière, il faut que ton morceau soit bien imbibé. Et tu vas venir le rouler dans tes panures. Si jamais tu vois que ta panure n'est pas parfaite, tu repasses dans l'œuf et tu reviens mettre une deuxième couche de panure. Dans une poêle bien chaude avec de l'huile, tu vas plonger quelques secondes chaque morceau de manière à avoir une belle coloration. Et là, bonne dégustation!